Bonjour, comment ça va? On a demandé au contrôleur de nous trouver deux places à côté parce qu'on était trop éloignés et on avait trop de trucs à se raconter. On s'est pas vu depuis 48 heures. On est à Marseille, la destination originale de l'été 2021 en France. À 20 balles, ouais, c'est mieux. Bon, bah, on a mangé un gros plat de pâtes, comme des porcs, et on roule. Et on va aller dormir, il est 22h. C'est une soirée trentenaire, en fait, hein. Let's know. À vous, si on avait 20 ans, on serait là. C'est quoi la soirée? On serait en club. C'est quoi la soirée? On serait allé boire un verre, en tout cas, après le reste. Au moins. Non, mais c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez? Ils en sont déjà là, ça, c'est pas à la fin qu'ils font des choses comme ça, normalement? Des choses comme ça. Elle connaît rien! Vous pensez quoi, vous, des bras, tu sais, comme ça, là, écoutez. Pas fan! Non, c'est comme ça. Je dors sans oreiller. Elle comprend pas. Mais moi, t'es pas en train de kiffer. Bah, si, t'es en train de dire que t'es là, trop bien. Là, ça me fait du bien au coup, de ouf. Et encore, oui, mais sur... ouais, il y a rien de pire qu'un oreiller. Pour regarder la télé, oui. Mais pour dormir, zéro oreiller, toute droite, comme ça. Oui. Une momie. Sans oreiller. L'enfer, en fait. Non, mais les gens qui dorment avec genre deux oreillers et qui sont comme ça, là. Les gens. Ils sont comme ça quand même. Ils dorment, ils se disent pas bien dormir. Bonjour. Bonjour, c'est le matin. On cherche le cake. Babka. Le cake à la mode là. Babka, voilà. Le cake à la mode là. Baklava, bakao. Et bakao, c'est quoi? Bakao, c'est la morue en portugais. La babka. Ah ouais, tout accepté du coup. La babka. Je vois très bien. Ça, c'est à la mode depuis le Covid, genre. Enfin, depuis que les gens sont restés chez eux et qu'ils se sont dit il faut faire de la pâtisserie. C'est juste pour en manger là, par exemple. Ça te suffit pas, le petit déj que j'ai ramené. Jusque-là. Ah oui, bah oui, parce que ça, c'est déceptif. Bah oui. Bah moi, je vais pas le manger, ça, tu crois. Dimanche, Mistral 24. Lundi, nuage soleil 24. Mardi, par contre, 90% d'orage. Aga, tu peux dire aux gens c'est quoi le pourcentage dans la météo? Alors, le pourcentage dans la météo est en fait le pourcentage de territoire sur lequel il fait moche. Genre, il pleut sur 30% du territoire ou il pleut sur 70% du territoire. Et non pas? Et non pas des chances. Est-ce que ça ne correspond pas un peu à l'autre? Bah si, selon où tu trouves, t'as 30% de chance. Oui, aussi. Nous, on pensait... C'est pas genre 30%, t'as très peu de chance qu'il pleuve, du coup. Oui, voilà, c'était vrai. C'est juste qu'il va quand même pleuvoir, mais sur une petite partie du territoire. Mais t'as quand même envie de dire laquelle? Oui, bah oui. C'est là où rain today. C'est quoi rain today? C'est l'appli qui te dit où est le nuage. Rain today? Là, il y a un nuage, voilà. Et tu vois, il évolue. Et tu veux me dire que là, il y a... Oh! Tu ne vas pas bouger. Mais il m'envoyait des trucs comme ça en me disant... C'est pas passé loin. Soi-disant, le truc des pourcents, c'est ça. Quand vous avez sur la météo iPhone, là, 30%, 10%, 20%, 80%, c'est sur le territoire. Ce qui ne nous avance pas plus, puisqu'on ne sait pas à quel endroit précisément il va pleuvoir, donc. On va prendre le bateau et on va aller voir la mer. Tu vas te baigner? Inch'Allah. Les bonnes chaussures pour ce genre d'excursion. Pourquoi tu rigoles? T'as vu les tiennes? On va pas tuer une fille, hein? On peut manger? Très très fin. On mange grand? Là, maintenant.
Mmh. Regardez ça. Tu peux rappeler le nom du pain? Qu'est-ce que ça? Mmh. Oh, ça me dégoûte. Vous préférez les rochers ou le sable? Moi, je préfère les rochers, mais quand même. Je préfère large les rochers, mais confort quand même. Le sable qui reste collé et tout après, qui se met dans la raie et tout. Genre. J'ai vraiment trois rochers pointus qui me rentrent dans le dos. Moi j'adore le cornet, mais là vraiment, en fait j'ai pas du tout faim. Je voulais que nous le. Les restes du pique-nique d'hier. D'accord. Un petit déj. Parce que là on va manger des olives. Ouais. Là tu vas manger des olives. Des olives noires, je pense. D'autre part, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est très très déconseillé de boire du café quand vous avez vos règles. Si vous avez des maux d'utérus. Pourquoi? Parce que le café et la caféine excitent en fait. C'est un excitant. Donc du coup ça va exciter l'utérus. Voilà. Et je m'apprête à le faire immédiatement. Parce que je n'ai pas de race et que j'ai très envie d'un café parce que j'ai la tête dans le cul. Mais en tout cas, sachez que c'est une mauvaise idée. On est en train de voir un couple en bas sur la plage qu'on estime être en date et on est en train de voir s'ils vont se pécho. C'est une love story en fait. Oh, mais là on pense à un date, c'est une love story. Parce qu'ils se retrouvent avec des années d'absence. Tu sais, ce genre de date, c'était la vie. Elle fait des histoires. Ouais. Il a demandé sa main, lui. Là ils vont conclure deux. Je me réveille. Les premières choses que j'entends sont: j'ai acheté 6 pains au chocolat. Puis: j'ai réservé le resto de ce soir. Because la bouffe, c'est la vie. On n'a même pas les yeux ouverts. Qu'on dit, ce soir, on va manger ça. Ce midi, nous manque ce midi. Avant ça, on a qu'à mis 6 pains au chocolat à tâter. T'as t'en plus faim. Oh non, oh, oh, oh. Ça va nous connaître. On a faim. Manger. C'est ça. À la bonne vôtre. Moi j'ai déjà mis un peu de beurre. Un peu de beurre sur le petit pain. Elle prend tout, la totalité, l'eau. Tu l'as pas citronné? Ah, j'ai oublié. Bah, bien sûr. Citron partout. Oh lolo lolo. Lolo lolo. Ah, je l'avais déjà déboutonné. Tirez la braguette. Hop là. Il reste une crevette. C'est pour toi, JJ. C'est pour toi. C'est... Le meilleur moment. Le rince-toi. Alors, ça dit quoi, la mousse? C'est délicieux. Ouais, c'est vraiment bon. Oh là là là. On aurait dû en prendre 3. Oh, les petits bouts de gamme. Oh, mmh, c'est oh. Bien avec toutes les voyelles. Ah, oh, la fameuse appli du nuage qui déboule. Donc celle-là, ça veut dire que dans... Ah bah là, dans... C'est-à-dire dans 10 minutes, il pleut des cordes sur notre tête, c'est ça là? On est d'accord que le rince-doigt, ça fait pas l'affaire, un seul rince-doigt. Je me suis lavé les mains, même moi. J'ai touché un crabe, une seconde. Pour avoir décortiqué ton tourteau. Bah, je m'en sortais que t'as même pas kiffé. Non, j'ai pas de temps kiffé. Alors qu'en plus, j'aime bien les choses où tu galères pour y avoir un accès. Oui, genre les grenades, genre les noix. Je trouve ça fou. Ouais, oh. Les noix, j'adore ça. J'aime ni les noix, ni les grenades. Je sais pas pourquoi on est potes. Ces deux choses sont dans ma top. Dans mon top. Dans ma top. Dans ma top. Dans ma top. Ça pue la merde, les noix et les grenades. Les grenades, c'est... Les grenades, c'est le meilleur fruit. Mais les grenades, c'est pas sucré, c'est pas bon. Vous mettez un petit peu de sucre sur les grenades. Ah d'accord, ah ça se suffit pas. Comment les manger correct. On ne court pas dans les escaliers.
3.